La bataille de San Romano est une œuvre laïque qui se décompose en trois panneaux distincts. Aujourd'hui, l'un se retrouve à la National Gallery de Londres, un autre à la Galerie des Offices à Florence. Enfin, un troisième peut se voir à Paris, au musée du Louvre. Ce triptyque, composé très probablement en 1438, est l'œuvre de Paolo di Donò, plus connu sous son nom de peintre, Paolo Uccello. En cette époque de début de Renaissance, la belle Florence n'a la taille que d'un simple petit village entouré de remparts. Mais déjà, elle rayonne d'un formidable bouillonnement artistique et s'enorgueillit de penser qu'elle seule est digne d'enseigner l'art de peindre. Uccello sera très vite tiré profit de tous ses riches enseignements et rendra beaucoup à la ville. De la vie du peintre, on sait peu de choses. On fixe sa date de naissance à 1397 et l'on sait qu'il fut le fils d'un chirurgien barbier. À l'âge de 11 ans, il fait ses débuts comme apprenti dans l'atelier Ghiberti, le plus important de la ville. Il y fréquentera notamment Donatello, qui restera son ami. Peu d'écrivains se sont intéressés à Uccello. On peut tout de même citer le chapitre qui lui est consacré dans la vie des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes, écrit par Giorgio Vasari en 1550. Son œuvre est éparpillée aux quatre coins du monde, de New York à Paris, et bon nombre de ses tableaux ont disparu, ont été détruits ou perdus. À la cathédrale Santa Maria del Fiore de Florence, on peut toutefois admirer le majestueux Sir John Hawkwood, peinture rendant une sculpture. Aux Offices, la Sainte Noire. Un détail des fresques du cloître de San Miniato al Monte. Également, parmi ses œuvres, citons au Louvre les portraits de ses amis artistes de son temps, tels Giotto ou l'architecte Brunelleschi. Uccello s'y est lui-même représenté. Et à Londres, Saint-Georges abat le dragon. Je pense profondément qu'Uccello était fasciné par le mouvement et sa transcription, sa représentation en peinture. Il me semble que c'est le thème même donc, des trois panneaux de la bataille, mais on retrouve ça, par exemple, dans cette fresque très fameuse qui représente à la fois le déluge et le retrait des eaux, et où l'on voit sur la gauche la représentation d'une arche, l'arche de Noé, et cette arche représentée une deuxième fois sur la droite. D'une arche à l'autre, on s'aperçoit que la deuxième représentation a pivoté de 90 degrés par rapport à la première. Cette non-coïncidence des deux points de fuite semble indiquer au fond que l'arche de droite n'est pas encore tout à fait échouée, qu'au moment où elle sera tout à fait échouée, les deux points de fuite pourront coïncider. On peut parler aussi, à propos de cette fascination d'Uccello pour le passage du temps, de cette prédelle d'Urbino qui représente l'hostie profanée, l'histoire de l'hostie profanée, et qui est une véritable chronique, un peu une bande dessinée au fond, où en six représentations, Uccello raconte toute l'histoire. Uccello ne cherche pas à exprimer donc en quelque sorte le mouvement, mais vraiment à l'analyser, à le décomposer par phase, à le représenter non pas en tant que donc expression, mais comme trajectoire. Alors que Rubens représente le mouvement en se servant d'une seule figure, il fallait non plus analyser le mouvement, le décomposer, mais l'exprimer, et notamment par la grimace de l'effort, appelons-la comme ça, par des personnages faisant des gestes outrés, des mouvements représentés par des contorsions. Le triptyque de la bataille de San Romano est une œuvre majeure de l'artiste. Elle émane d'une commande dont l'objectif est de célébrer une victoire mineure et à la Pyrrhus de la République indépendante de Florence sur les forces siennoises. Le commanditaire a voulu effacer le souvenir de plusieurs défaites cinglantes antérieures. Cette bataille est donc un fait historique avéré et relaté par écrit. Elle s'est déroulée sur les bords de l'Arno entre Pise et Florence. Remontons dans le temps et revenons à ce dimanche 1er juin 1432 précisément pour présenter les capitaines de guerre, les condottières.
Les forces florentines sont conduites par Niccolo da Tolentino. Le cavalier chutant de sa monture ne serait autre que Bernardino della Carda, chargé du commandement des forces siennoises. Enfin, Micheletto Attendolo interviendra après le début de la bataille et donnera l'estocade arrière finale par un renfort conséquent aux troupes de Niccolo. Les soldats siennois, plus nombreux et d'abord plus forts, finiront donc par perdre la bataille, en raison d'une stratégie florentine plus inspirée. Trois condottières, trois panneaux. Longtemps, on a pensé que c'était Côme de Médicis qui était le commanditaire du cycle de la bataille, mais on a découvert il y a peu que ce n'était pas le cas. Bien que retrouvé dans le palais Médicis, le triptyque aurait en fait été commandé par Leonardo di Bartolomeo Salimbeni, riche et influent notable de Florence, qui, voulant décorer l'une de ses maisons situées Via Monalda, aurait décidé d'en confier l'exécution à Paolo Uccello. Cette commande amenait donc à produire un objet d'ameublement domestique, plus qu'une œuvre d'art proprement dite. Chaque panneau fait 1,80 m de haut sur 3,20 m de long. Les trois œuvres sont constituées de plusieurs planches de peupliers horizontales collées. Des bandes de tissu ont été ensuite apposées. Le peintre a renforcé certains contours, notamment ceux des feuilles d'argent des armures, par des incisions faites à l'aide d'un stylet ou d'un poinçon, lequel a servi au renforcement de certains motifs, comme ici au bout de l'étui d'une épée. Une fine pellicule d'argile rouge se révèle au regard dans les parties usées ou endommagées des panneaux. Des techniques différentes ont été utilisées. Exemple, motif exécuté au pochoir ou mise en perspective. Uccello a utilisé le jaune d'œuf comme liant, technique commune à l'époque. Les teintes employées sont brillantes et se juxtaposent avec liberté. La feuille d'or a aussi été utilisée pour les parures des chevaux et divers autres éléments. J'ai découvert la bataille de San Romano en 1971, c'est-à-dire à mon arrivée à Paris, et alors que je venais de rentrer à l'école des Beaux-Arts. Il se trouve que je peignais déjà enfant et qu'un de mes sujets de prédilection était justement les chevaux. Et donc ce tableau me fascinait en partie parce qu'il représentait des cavaliers. Mais ce qui m'a fasciné le plus à partir du moment où j'ai vu ça, c'était sur la gauche du panneau de voir qu'Uccello avait représenté cinq images d'un seul cavalier sur une seule monture en train de charger en rabattant sa lance. Je me souviens que lorsque j'avais une dizaine d'années, mon père m'avait donné des reproductions des photographiques de sportifs et des photos qui avaient été prises avec le procédé de la stroboscopie. C'est peut-être aussi le souvenir de ça qui a fait que je me suis passionné pour cette bataille de San Romano en retrouvant cette même décomposition avec le cavalier qui rabat sa lance pour charger. Le quimpane du XVe siècle ait pu déjà à l'époque s'intéresser suffisamment au mouvement pour avoir cette idée de décomposer le mouvement, ça m'avait évidemment fasciné. Nous avons donc affaire à un triptyque, mais à l'intérieur même de celui-ci, une autre division par trois peut se constater. Chaque panneau est toujours composé d'une manière semblable, avec sur la gauche un premier groupe compact, au centre, le condottiere, isolé et en charge des troupes, et un autre bloc compact de soldats sur la droite. Cette manière de faire n'est pas propre à Uccello. Il est même probable qu'il se soit inspiré de quelques-unes des œuvres de ses contemporains, dont cette victoire des Siennois sur la compagnie anglaise du Capello au Val de Chiana, antérieure aux batailles et composée par Lippo Vanni. À la construction du nouveau palais Médicis, Laurent de Médicis, le successeur et petit-fils de Côme l'Ancien, aurait récupéré par la force le triptyque, et ce pour l'ornement de sa nouvelle chambre à coucher dont voici une reconstitution.
L'ordonnancement des panneaux a été longtemps sujet de discorde. En outre, il est plus que probable que le troisième tableau venait à angle droit par rapport aux deux autres. Et tous ont subi des modifications, dues sans doute à leur changement d'emplacement et opérées avec d'autant moins de vergogne par les Médicis qui n'avaient pas commandé cette œuvre. Il apparaîtrait donc qu'une bande entière au bas du panneau de Florence a été purement et simplement coupée. De la même façon, d'anciennes découpes sont mises à jour. L'aspect rectangulaire que l'on connaît aujourd'hui est en fait dû à l'ajout d'une pièce de bois triangulaire à droite en forme de trapèze à gauche. Plus étonnant encore, une lunette semblait partir de cette forme première du panneau et devait sans doute elle-même être peinte. Cela semble renforcé par la composition elle-même. En effet, la lance du cavalier désarçonnant Bernardino semble devenir rayon d'un cercle. La colline en arrière-plan, quant à elle, épouserait presque la lunette, de sa courbure quasi identique. Le panneau de Londres était échancré inversement, triangle à gauche, trapèze à droite. Une lunette surplombe également le panneau, dans laquelle ciel, lance, champs et arbres devaient s'étendre. En se prolongeant, le bâton de commandement de Niccolo fait office de rayon, tout comme la lance blanche portant un coup au siennois. Ces mêmes choses se retrouvent dans le panneau de Paris. Le mouvement d'abattement des lances semble épouser parfaitement la courbure de ce cercle. L'œil du cheval de Micheletto fait office de centre de cercle. En plus de tout cela, une autre spécificité est à mentionner dans cette peinture. Un rajout a été fabriqué en bas du tableau à gauche, de la même façon que pour les angles supérieurs, ce qui laisse à supposer qu'une porte devait se trouver à cet emplacement précis, porte sautée par le cheval comme un obstacle. Ce rajout se constate aisément à œil nu lorsque l'on éclaire le tableau. Voici donc la disposition probable originale du triptyque dans sa demeure initiale, celle de Leonardo di Bartolomeo Salimbeni. Les lances brisées sur le sol forment un réseau perspectif artificiel, lequel trouve approximativement son centre juste au-dessus du museau du cheval blanc de Niccolo. Mais Uccello n'opte pas pour le point de fuite unique. Un autre peut se dégager sur la droite, au bout de la lance rabattue du cavalier florentin. En 1436, Alberti établit dans son De Pictura une loi permettant de construire un espace perspectif harmonieux sur un support à deux dimensions. Il est fort possible qu'Uccello l'ait lu, mais il est difficile d'établir avec certitude qu'il s'en soit rigoureusement servi pour l'établissement de son triptyque. Il place les têtes des cavaliers à peu près sur un même plan, mais au-dessus du point de fuite central. Puis le peintre étage les pattes, sur plusieurs plans cette fois. Plusieurs cavaliers tout à gauche du panneau ne gardent pas leur tête alignée. Ces troupes appartiennent à la ville de Florence. Les célèbres boules du blason des Médicis en attestent. Des rectangles composés par une selle, des ornements de harnais, un bras et un bâton permettent de créer une ligne de circulation qui se prolonge sur la crête d'une colline. C'est une ligne ascendante.
En contrepoint peut s'observer une ligne descendante caractérisée par un abattement des armes, d'abord vertical, puis horizontal. Ces deux lignes se croisent sur le bâton levé de Niccolo, preuve de l'importance du geste, puis viennent buter contre une résistance siennoise héroïque. Uccello ne manque pas de nous signaler la détresse de ce soldat, par le placement voulu d'une fleur rouge juste derrière le bout de la lance et qui donne l'impression qu'un bout de chair y est resté accroché. Une autre ligne de circulation traverse les regards de trois cavaliers pour longer le chemin et rejoindre les messagers s'enfuyant dans le lointain. Sans doute ceux qui, dans les faits historiques de la bataille, vont avertir Micheletto, le condottiere du panneau de Paris, que le moment d'attaquer est venu. En se rapprochant d'eux, on s'aperçoit que la patte du cavalier de droite se prolonge, s'enchaîne harmonieusement au sabot du cheval. C'est une autre manière qu'Uccello utilise fréquemment pour faire circuler le regard dans son œuvre. Un excellent moyen pour créer ces circulations pour le regard et pour que le regard puisse circuler sans heurte dans l'espace du tableau, c'est de faire en sorte qu'une forme se prolonge dans une autre. Ainsi, le regard tout naturellement va passer d'une forme à l'autre au lieu d'être arrêté par chacun des profils et de voir un personnage puis un autre puis un autre. Le regard va pouvoir traverser les personnages eux-mêmes et circuler de manière fluide. On ne s'est parfois plus à aller jusqu'à penser qu'un éléphant pouvait se cacher sous cet enchaînement. Moi-même, j'ai employé ce terme de fondu enchaîné à propos de la monture du page dans le panneau de Londres qui semble se transformer dans l'épaule du condottiere. Alors, il y a un effet que certains ont pu dire ironique, mais ça n'a rien d'ironique. C'est tout simplement un procédé dont use Uccello pour aider le regard du spectateur à se déplacer dans l'espace de la représentation. Dans la même idée, il faut relever la surcote feuillue du soldat qui se confond avec la haie de l'arrière-plan et l'épanage des cavaliers qui semble se confondre avec les fruits et fleurs de cette même haie. Cette confusion des formes, toutes calculées, favorise la circulation du regard du spectateur. La scansion des objets permet quant à elle de donner un rythme précis au panneau et à sa narration. Elle favorise également le mouvement. C'est alors que lance, bouclier, casque, chevaux, soldats, armures, coiffes, faux et piques, oranges et feuillages se répètent inlassablement. On distingue deux drapeaux soutenus par des salpinx ou trompettes. Les drapeaux sont aussi utilisés dans le panneau du Louvre. Le motif du damier est très prisé par Uccello. Il peut introduire une perspective et ainsi donner de l'ampleur à un espace restreint. Il l'utilise principalement pour les mazzocchi, ces fameuses coiffes florentines en osier ou en bois portées telles quelles, ou entourées d'un turban, et très à la mode à l'époque. Cet objet tout en facettes se retrouve dans bon nombre de ses croquis et travaux préparatoires, et dans plusieurs autres de ses œuvres. Uccello donne ainsi à voir au spectateur son extraordinaire maîtrise picturale, car cet objet est connu pour être une véritable gageure technique. Rappelons qu'à cette époque, nous n'en sommes encore qu'au début des passionnantes recherches sur la perspective, et Uccello s'y est beaucoup adonné. Il fait montre également d'un vif intérêt pour l'enchaînement des formes, lequel lui semble capital pour sa composition. Les premiers plans sont donc très souvent enchaînés à l'aide d'un second. Le cheval du page, démesuré, sert à opérer une liaison entre les deux cavaliers du premier plan. Le même procédé s'observe dans le panneau de Paris. De plus, les boucliers et leurs motifs dentelés renforcent l'impression d'un terrible et implacable engrenage. Parfois, c'est un groupe d'hommes entiers qui sert à la transition. Des groupes compacts de 5 hommes s'insinuent entre les 4 cavaliers des premiers plans, tout le long du panneau de Paris. Et l'on a en outre appris que les armées florentines évoluaient toujours par groupe de 5. Le fouillis travaillé des jambes et pattes de chevaux aide et renforce l'expression du mouvement dans l'œuvre. Et même ce dernier groupe, qui à première vue ne compte que 4 hommes, recèle pourtant un 5e soldat, subtilement dissimulé.
Dans les années 1884-1885, Muybridge devient un pionnier dans l'histoire cinématographique en matière de décomposition du mouvement. Ici, il nous donne à voir un magnifique aperçu des différents stades de la course exécutés par un homme. Mais savait-il que 4 siècles auparavant, un confrère à lui se passionnait déjà exactement pour le même sujet? Même exercice dans le panneau de Paris. Et dans celui de Florence. Mais Uccello ne se limite pas à cette décomposition du mouvement entre deux formes. Le mouvement peut toucher l'ensemble d'un groupe. Ici, l'avancée des lances donne l'impression d'une seule et même déferlante. Et ce mouvement peut même s'exprimer à travers le panneau entier. À gauche du panneau de Florence et vers la droite, n'a-t-on pas l'étrange impression de voir les mêmes chevaux à des stades différents de leur course ? Le fait de faire toucher le sol aux chevaux d'abord par 4, 3, 2, puis par une patte, en fait deux confondues, donne une formidable accélération au mouvement. Un jeu entre la verticale et l'horizontale permet aussi d'introduire ce changement dans le rythme. Tous ces exemples témoignent de l'engouement d'Uccello à introduire le mouvement dans sa peinture. Il est vrai aussi qu'on peut voir de telles représentations sur les vases grecs, tous ces chevaux qui se ressemblent et dont chacun peut être pris pour le même que celui déjà perçu, mais ayant changé de place à une autre phase de l'action. Il y a aussi, mais cela c'est au moment même où Paolo Uccello décompose le mouvement de ses 5 cavaliers, Luca della Robbia, qui, dans la Cantoria qu'il sculpte pour Sainte-Marie-Nouvelle, et qui représente donc des chanteurs, mais aussi des frises qui représentent des bas-reliefs, qui représentent des petits garçons ou des petites filles en train de danser, eh bien, Luca della Robbia, pour montrer le battement des jambes d'une petite danseuse, représente 3 jambes, dont on voit bien que l'une peut appartenir à sa compagne qui se trouve derrière elle, mais qui sont vraiment représentées de manière à donner l'impression que la même possède 3 jambes. Donc 3 jambes qui battent l'air pour décomposer le mouvement. La haie du panneau de Londres sépare nettement 2 espaces. Celui de l'affrontement, de la guerre, avec celui de la paix. Cette haie aurait alors une valeur symbolique. Tout comme la grappe de fruits rouges éclatée, des grenades situées juste au-dessus de la tête du siennois esselé et qui seraient un symbole de mort. Les oranges placées entre les lances, telles des notes entre des portées verticales, situées à dessein au-dessus des Florentins, symboliseraient quant à elles fécondité et richesse. Le panneau de Florence est le seul à être signé par l'artiste en bas à gauche.
Sur un bouclier tombé au sol, on peut lire « Paoli Uccelli Opus », ce qui signifie « œuvre de Paolo Uccello ». Les couleurs du bouclier, le bleu et le vert, ne sont pas sans rappeler celles du blason de la famille Florentine Uccelli, preuve peut-être de la volonté du peintre à évoquer ses origines. L'alignement des têtes des fantassins et de celles des cavaliers est précis. La perspective se fait vers un point de fuite unique et semble s'appliquer d'une manière plus rigoureuse que dans le panneau de Londres. Le point de fuite central est correctement placé. Seul le condottiere, alors en pleine chute, n'est pas aligné, mais la tête de son cheval, elle, l'est. L'étagement des jambes et pattes de chevaux se fait sur encore plus de profondeur. De même, le réseau perspectif des lances brisées est tracé d'une manière plus exacte. Avec un point de fuite central unique cette fois, ce qui est assez logique en somme, nous nous trouvons dans le panneau situé au milieu, entre les deux autres, au cœur de la bataille. Tous les panneaux communiquent entre eux, il n'y a pas de cloisonnement. Sur la droite du panneau de Londres, certains prolongements de lances brisées semblent nous mener tout droit en direction de la gauche du panneau de Florence. Puis trois nouvelles directions émanent de cette zone. Il semblerait donc qu'Uccello ait ménagé des circulations pour faciliter le regard, également entre les panneaux. Les cavaliers et leurs montures ont fait l'objet de nombreux soins. En atteste ce dessin préparatoire. La lance abattant le condottiere siennois revêt une importance toute particulière, nous l'avons vu. Pourtant, ce n'est pas elle qui attire en premier le regard, du fait de sa couleur très sombre. Tout porte à croire que Paolo ait voulu que notre œil soit attiré en premier lieu par cette lance blanche rabaissée. La raison pourrait en être expliquée par l'utilisation d'un jeu de parallèles. En effet, si l'on trace une parallèle à cette lance, à partir du condottiere chutant, on s'aperçoit qu'elle nous mène directement au soldat mort, tout à la droite du panneau. Le peintre a sciemment voulu que notre regard se porte sur cette lance, afin que notre œil se prépare au mieux à ce qui va arriver par la suite, inéluctablement. L'usage de parallèles a déjà été utilisé dans le panneau de Londres, la lance blanche avec les combattants éloignés. Le regard de Niccolo semble jouer un rôle déterminant dans le triptyque. Sa direction va droit sur la lance tenue par l'un de ses soldats devant lui. Et l'arme semble se prolonger dans le panneau de Florence, et ce, jusqu'à la chute du condottiere. D'un simple regard donc, tout est fait pour donner l'impression que c'est Niccolo en personne qui renverserait son adversaire principal, Bernardino della Carda, lequel est représenté en un admirable raccourci. Dans sa chute, il empruntera une trajectoire fluide, se coulant entre les ventres et postérieurs des chevaux pour finir sa course à terre, mort. La scène dramatique du milieu est composée en triangle avec la représentation de trois cavaliers, dont deux sont déjà tombés au combat. En fait, ils sont tous exactement identiques. Seule, leur orientation change. Il faut imaginer un Uccello passionné, se jetant ce défi à lui-même et faisant pivoter du même coup le petit cheval de bois ou d'argile qui lui servait de modèle dans une autre direction, se lançant alors des heures durant dans l'exécution de cette prouesse technique. Une mauvaise composition, c'est une composition où l'œil s'est emposé en un certain point du tableau, ne saurait plus où donner de la tête, pour parler d'une manière imagée. L'un des moyens dont se sert couramment Uccello, c'est de créer des circulations, on pourrait dire, entre les formes. Ainsi, cela va créer des circuits pour le regard qui va pouvoir passer d'une forme à une autre sans heurte, sans problème, sans presque s'en apercevoir. Faire succéder ainsi les formes, les faire passer les unes dans les autres, c'est avant tout déjà un procédé de composition
qui va favoriser la circulation du regard dans l'œuvre. Tout va se passer comme si le regard, en se déplaçant, allait percevoir un nouveau corps de cheval peut-être, mais toujours fait à l'aide de courbes, des croupes, des ventres, des coups tracés au compas, et donc un petit peu comme pour les lances, un petit peu comme tous les éléments qui forment série, vont permettre au regard du spectateur de passer de l'un à l'autre et d'avoir la sensation que c'est toujours la même forme qu'il redécouvre, comme si elle s'était déplacée dans l'espace. Il ne faut pas oublier que les trois panneaux réunis mesurent une dizaine de mètres de long et que le regard a besoin de circuler en permanence à travers la représentation. L'arrière-plan nous montre des soldats siennois en fuite. Malgré l'éloignement, la minutie et le souci du détail du peintre restent de mise. La bannière de ce cavalier porte les couleurs exactes des siennois. Bien qu'il soit près de 6 fois plus petit que ce cavalier du premier plan. En 1954, des travaux de nettoyage ont permis de redécouvrir une scène de vendange, jusque-là ignorée. On a également mis à jour la présence du lévrier poursuivant sa proie, ce qui pourrait symboliser la déroute siennoise. Et cette colline sur laquelle ces animaux courent, ne nous ferait-elle pas penser à quelques mazzocchio géants ? Je pense que l'époque dans laquelle vit Uccello est une époque justement de recherche intense. C'est l'époque où on met au point justement la perspective. Ça dure à peu près un siècle. Uccello est un personnage d'une intelligence sans pareille, extraordinaire. Il veut tout comprendre, il veut comprendre le monde, il veut comprendre la perception. À Florence même, dans la première moitié du XVe siècle, les peintres sont tous des chercheurs passionnés. D'ailleurs, ils sont parfois aussi souvent architectes. Les inscriptions sur les étendards permettent une identification claire. Le nœud de Salomon a la marque de Niccolo. La licorne à la crinière, un emblème des Sforza, famille milanaise à laquelle appartient Micheletto Attendolo. Un soin tout particulier a été accordé au rendu des détails. Les chevaux et leurs divers ornements ont notamment bénéficié de cette attention. Crinière tressée de différentes façons. Queue coiffée ou coupée, parfois ornée de grelots. Différentes brides sont représentées, brides de tournoi. Brides légères, idéales pour la mobilité au combat. Brides complètes à double reine. Fer clouté à crampons, on peut compter précisément le nombre de clous, ou contempler à sa guise la denture d'un cheval, ou pourquoi pas, identifier le sexe. La mode florentine de l'époque trouve également sa place. L'usage était alors à la diversité des couleurs, sur une seule et même chausse. Parfois même, deux couleurs divisent une seule partie du vêtement. L'armement utilisé est l'autre grand soin apporté par Paolo Uccello dans sa peinture, car il s'est attelé à tout décrire dans le moindre détail. L'armure de ce soldat en est un parfait exemple. Entre autres, épaulières, gantelets et garde-reins, puis cuissardes, genouillères, jambières qui protègent les membres inférieurs. Le peintre souhaite aussi nous montrer l'envers des choses. Comment attache-t-on sa cotte de maille, par exemple ? Où tient-on son bouclier ? Plusieurs types d'armes sont clairement identifiables. La lance, arme des cavaliers par excellence. Le javelot, l'épée et le marteau, les faux de guerre servant à trancher les jarrets des bêtes ou à s'infiltrer entre les interstices des armures, les piques, armes de fantassins, de milices citadines, pièces de bois à pointe de fer, et l'arbalète, redoutable, car son carreau peut transpercer un homme de part en part.
au début du XXe siècle, les artistes se passionnent pour Uccello. Les cubistes pouvaient trouver leur compte dans la manière dont les volumes sont représentés par facettes. C'est donc pour le côté plutôt aussi abstrait, la passion d'Uccello pour la géométrie, que ses peintres se sont intéressés à ces tableaux. Les surréalistes trouvaient aussi leur compte par le caractère très étrange de cette bataille, finalement, qui a l'air un peu nocturne, et par ces cavaliers en armure qui peuvent sembler à des écrevisses. Et comment ne pas évoquer les recherches futuristes sur le mouvement de Marcel Duchamp, avec son nu descendant un escalier ? C'est le cavalier blanc, le plus visible, qui nous introduit dans ce tableau. Vu de biais, il semble épouser parfaitement la direction de notre regard. Au sol, seules quelques touffes d'herbe semblent introduire une légère perspective. Aucune profondeur dans ce panneau. La végétation est partout et intense. Elle empêche toute fuite du regard. Cette fuite ne doit pouvoir se produire exclusivement que dans les panneaux centraux. Les chevaux adoptent des tailles très différentes, à tel point qu'on pourrait les croire déformés, tellement cet écart est important. Ce serait sans compter le fait qu'encore une fois, le panneau doit être regardé de biais, car observé comme il faut, les chevaux reprennent des proportions tout à fait normales. C'est le principe de l'anamorphose qu'Uccello développe ici. Un fait curieux doit être signalé sur la gauche. En effet, bien que l'on distingue clairement 5 lances, l'on ne parvient à compter que 4 cavaliers, dont l'un semble à lui seul porter 2 armes. Derrière l'unique cheval représenté en entier, jambes et pattes d'animaux se côtoient dans cette phase d'accélération. Pourtant, ceci ne parvient pas à expliquer l'absence d'un cinquième cavalier, d'autant que l'on peut compter précisément 20 pattes de chevaux, et 5 selles. En y regardant mieux, l'on finit par le trouver, ce cavalier, presque entièrement caché par ses comparses. Il se trouve que, pendant que je faisais ma copie au Louvre, le tableau se trouvait à ce moment-là dans la grande galerie, et... Chaque fin de matinée, quand il fallait arrêter de peindre, puisque le temps de la copie était limité, il fallait pousser le chevalet jusqu'à un réduit où les copistes rangeaient leur chevalet, leurs copies. Je passais à ce moment-là, dans la grande galerie, devant une portion de mur qui était recouverte de miroirs. Et chaque fois que j'arrivais devant ces miroirs, je m'arrêtais et je regardais ma copie à l'intérieur du miroir, donc inversée. Cela m'intéressait beaucoup puisque l'épreuve du miroir, dont parlent déjà des gens comme Léonard de Vinci, est un très bon moyen de s'apercevoir s'il y a un déséquilibre dans la composition. Si quelque chose ne tient pas, en retournant l'image dans le miroir, on s'en aperçoit immédiatement. Ce déséquilibre se voit. Ce qui m'avait saisi très vite, c'était que quand on retournait comme ça la représentation grâce au miroir, on s'apercevait que les cavaliers prenaient un élan 100 fois plus grand que quand on regardait le tableau de face. Et là, on ressent beaucoup plus l'élan des cavaliers. Ceci dit, il y a chez les Goncourt, donc avant le XXe siècle, un passage où les Goncourt se montrent fascinés alors qu'ils sont en voyage en Italie et qu'ils se trouvent au musée des Offices, devant le panneau des Offices, et où ils en donnent une description ahurissante, extrêmement mouvementée. Paolo Uccelli, qui a exposé aux Uffizi ce choc de chevalerie au Moyen-Âge, ce combat qui est l'heure simultanée de 1000 duels à l'arme blanche, cette agglomération furieuse d'armures, de lances, de casques, où de grandes plumes rouges et noires se balancent sur cette mystérieuse mêlée masquée, sur ces faces d'hommes voilées de fer, et au milieu desquelles les chevaux, à la croupe énorme, sont cabrés, ruant sur les cadavres, perdant le pied dans le sang.
un tableau qui a le mouvementé des colères de la guerre corps à corps, un tableau dont s'est peut-être souvenu Eugène Delacroix dans sa bataille de Nancy. Un arbalétrier à droite du panneau est en train d'effectuer le chargement, toujours laborieux, de son arme. Pour tendre son arc, il doit utiliser un crochet et prendre appui sur un étrier. Cette technique est maintes fois décrite par Uccello dans les batailles. Dans le panneau de Londres, par exemple, on peut déjà observer le même rituel. Au-dessus de ce fantassin, comme s'ordonnant parfaitement autour de lui et de son mazzocchio, des cavaliers en rang serré s'apprêtent également au combat. La tension et la nervosité sont palpables. La verticalité des lances renforce cet effet d'attente, presque insoutenable. Une extrême concentration peut se lire sur certains visages cependant. C'est Micheletto qui, au centre de ce panneau, donne le signal de l'assaut. Si on replace l'œuvre de biais, on se rend compte que lui et sa monture dirigent le regard vers nous. Et que la direction qu'ils prennent tendrait à les faire rejoindre Bernardino, soit le cœur de la bataille. Il y a un jeu de rebond, donc, entre le regard du spectateur attiré et la direction effective de Micheletto et de sa monture. C'est un peu comme si le vide entre les deux panneaux se comblait par la traversée du condottiere, transperçant son panneau pour aller rejoindre la mêlée. De manière très étonnante, on sait donc que le panneau de Paris venait à angle droit par rapport aux deux autres panneaux sur un seul mur. Et tous les cavaliers sont composés ainsi à travers tout le panneau, avec chaque fois deux cavaliers parallèles et un cavalier à angle droit par rapport aux deux autres. C'est-à-dire donc même les cavaliers à l'intérieur des panneaux sont composés deux et un à angle droit comme l'ensemble du triptyque. C'est une composition en cela, c'est extraordinaire. J'ai peine à croire qu'il aurait conçu les tableaux dans l'ordre, d'abord celui de Londres, puis celui de Florence, puis celui de Paris. La composition de tout le triptyque est tellement serrée, c'est tellement merveilleuse, c'est tellement époustouflant comment il a maîtrisé la conception d'ensemble des trois panneaux, que même s'il les a peints ensuite l'un après l'autre, il fallait bien qu'il en ait dressé la composition dès le début. Suivant les endroits où ils sont conservés, les panneaux ont été diversement restaurés. Celui de Londres, mais comme la plupart des tableaux à Londres, a été sauvagement décapé et maintenant le sol est par exemple tout plat, alors qu'on voit un sol avec des volumes dans les deux autres panneaux encore. On voit des ombres portées, des chevaux dans le panneau de Paris, on n'en voit plus du tout à Londres. Il y a à peine une mince pellicule de couleurs qui reste sur le panneau de Londres. Au contraire, celui de Paris, qui pourrait paraître le moins bien conservé parce que sombre et avec ses craquelures, etc., eh bien, en fait, c'est le mieux conservé puisque c'est le seul à avoir gardé sa feuille d'argent. C'est celui qui a été le moins restauré, le moins touché et par conséquent le moins abîmé. Il faut imaginer en effet ce que pouvaient être les mille et une variations lumineuses des feuilles d'argent et d'or que pouvait provoquer la lueur d'un chandelier passant à proximité dans la chambre de Laurent le Magnifique. Le panneau devait alors donner l'impression de prendre vie. Certes, ça n'est plus comme les siècles d'oubli qu'Uccello a connus avant le XXe siècle. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde apprécie Uccello ou peut-être certains peuvent préférer une peinture plus sensuelle, moins intellectuelle, mais certes, il est quand même considéré par tous comme un des grands peintres de la Renaissance. Pour ma part, j'irai jusqu'à le placer plus haut que Piero della Francesca, le considérant comme un plus grand compositeur que Piero della Francesca.
Et je pense aussi que Uccello a préfiguré en quelque sorte un Léonard de Vinci par ce goût comme ça pour la science. Il faut penser au fait que quand Léonard de Vinci avait 20 ans, Uccello était le dernier des grands inventeurs de la perspective de Florence, du Quattrocento. Et il est fort probable que donc Léonard de Vinci ait rencontré Uccello et qu'il ait développé certaines trouvailles, qu'il ait développé pour les théoriser, comme par exemple la perspective curviligne qu'on voit dans le panneau central des batailles, celui qui se trouve à Florence, ou l'anamorphose qu'on rencontre dans le panneau de Paris. Donc perspective curviligne et anamorphose sont deux choses dont on fait d'habitude Léonard de Vinci le père, alors qu'on trouve déjà ça dans la peinture d'Uccello. Le 12 décembre 1475, Paolo Uccello est enterré à Santo Spirito dans le caveau familial. Il s'est éteint à l'âge de 78 ans dans une relative indifférence. Les dernières années de sa vie ont été celles d'un solitaire. À sa femme, à Antonia, sa fille, et Donato, son fils, il lègue un héritage convenable. Il est possible qu'il fallait un peintre, peut-être, pour comprendre tout ça. Et là où un historien de l'art, peut-être, était plus encombré par sa science et tout ce qu'il avait lu, donc sur l'absence de mouvement dans les panneaux. Je pense qu'il se trouve tout simplement qu'ayant déjà été prêt à passer un an et demi tous les jours, tous les matins pendant 4 heures à copier devant le tableau, j'ai été complètement pris par ce tableau et je peux dire que j'en suis devenu le spécialiste. Mais alors qu'un historien de l'art est peut-être le spécialiste de tout l'œuvre d'un artiste et quand même est spécialisé dans toute l'époque de l'artiste, moi je suis devenu le spécialiste de ce tableau et je n'ai même jamais pris la peine d'étudier de la même façon d'autres œuvres d'Uccello. Je les ai regardées évidemment, j'ai essayé de les comprendre, mais pendant 25 ans, je me suis en quelque sorte passionné pour ces tableaux. Et donc, il était peut-être normal que peu à peu, je finisse par voir des choses qui n'avaient pas été vues. Vasari nous raconte que lorsque sa femme l'enjoignait à venir se coucher, Paolo répondait « Oh, quelle douce chose que cette perspective !» Repose en paix, Paolo, t'as un repos bien mérité, car ton œuvre, elle, telle tes feuilles d'or et d'argent amoureusement disposées, rayonnera à jamais maintenant.